En ce 73e anniversaire de la Révolution d'Octobre, ils se sont réunis dans le palais de la culture de leur usine, à Mauzille, pour répondre présent à l'appel du parti. Pour un vrai communiste, cette assemblée de vétérans est sans doute ce qu'il y a de meilleur dans la société soviétique. À Mauzille, leur usine, usine vitrine du savoir-faire socialiste, l'endroit où il fallait être quand on était prolétaire et communiste, ce que Lénine appelait l'aristocratie ouvrière. Et pour cette aristocratie-là, à Mauzille fut une sorte de monument à la gloire de la production, un palais au service des ouvriers, bref, un avant-goût du paradis socialiste. Un paradis peuplé des images de la Grande Révolution de 17, des exploits des soldats rouges ou de l'héroïsme des premiers communistes face aux armées du tsar. Un paradis où l'on se souvient avec nostalgie des premiers décrets censés mettre fin à la guerre, à la misère et frayer la voie au bonheur de l'humanité. Праздника выступил с трибуны с мавзолея Михаил Сергеевич Горбачев, который еще раз подчеркнул, что в истории есть много дат. Одни со временем уходят в прошлое, а другие продолжают, так сказать, жить. И вот к числу таких относятся наш великий праздник, великая Октябрьская социалистическая революция. C'est cette date, cette histoire et ces acquis, menacés par la perestroïka que l'on vient de déclarer intouchable en ces lieux. Et c'est pour défendre cet héritage contre les orages qui menacent de tout balayer que l'on a battu le rappel des communistes de la première heure, des vieux de la vieille, de ceux pour qui la révolution était le début de l'avenir radieux de l'humanité. Объединиться, набраться терпения для того, чтобы пережить вот те большие трудности, которые возникли сегодня перед страной, и выйти на путь развития, так сказать, в рыночной экономике. Но при этом, товарищи, не теряя нашей главной цели – социалистического выбора. Voici un de ces communistes de la première heure. Nicolas Vassilievitch Kazakov. Cela fait plusieurs jours qu'il se prépare pour l'événement avec ses camarades de l'usine. Plusieurs jours qu'il affûte ses arguments, s'arc-boute sur ses souvenirs et s'apprête à défendre ses convictions becs et ongles, comme un gardien du temple, de l'idée originelle, pure et généreuse.
Pendant ces deux jours de fête traditionnelle, le parti peut donc compter sur lui pour lutter contre tous ceux qui doutent ou qui dénigrent. Sur lui et sur ses amis de toujours, les anciens, ceux de son atelier, qui comme lui ont tout connu, tout vécu, tout supporté, et que rien désormais ne peut faire changer. Il faut dire que Nicolas Vassilievitch est une sorte de dinosaure de l'histoire. Né en 1906, membre des Jeunesses communistes en 1923, communiste depuis 1926, Trotsky, Lénine, ne sont donc pas seulement pour lui des icônes laïques intouchables, mais des contemporains de chair et de sang qu'il a côtoyés, suivis ou admirés avant de leur vouer une indéfectible fidélité. Il a donné au parti 65 années de sa vie et 67 ans, asile, son usine, où 48 membres de sa famille en tout et ses trois filles, Natacha, Tatiana, Elena, ont travaillé depuis la création. Est-ce que vous vous rappelez du jour précis où vous vous êtes dit, voilà, je serai communiste? Хорошо помню. Это было 21 год, 7 ноября, на торжественном собрании рабочих и служащих завода «Динамо» с докладом о 4-й годовщине октября выступал Владимир Ильич Ленин. В условиях той жизни, нищенской жизни, когда буквально во всем мы ощущали острейший недостаток. И вот в этих условиях я, мальчишка 15-летний, слушая Владимира Ильича Ленина, поверил, что если рабочие, крестьяне, которые создают все необходимое для жизни человека, делающие своими руками, поймут, что они сейчас стали хозяевами своей жизни, то, несомненно, через короткий промежуток времени станем жить по-человечески. Я в это поверил, и не только я, а все присутствующие верили. И после этого я решил, что я должен быть коммунистом. И qu'est-ce qui vous a plu en Lénine ce jour-là? В Ленине понравилось мне, во-первых, живость. Он все время в движении, ходил по авансцене, жестикулировал. А кроме того, он говорил совершенно понятные нам вещи. Ce ne sont pas, bien entendu, ces images de famine que Kazakov retient de ces années-là, ni la guerre civile et son cortège de régions dévastées. Non, il retient plutôt les bonnes paroles de son dieu vivant, Lénine. Aussi, quand Lénine rétablit une certaine forme d'abondance en restaurant l'économie privée, en somme, quand il renie les principes qui ont gagné à la cause toute une génération, le jeune Kazakov oublie les moyens employés et ne retient que les résultats. De nouveau la vie, l'espoir et l'utopie. S'il est une époque où le communisme a ressemblé à son rêve de bonheur pour les humbles, c'est bien lors de ces années-là. À 20 ans, quelle jeunesse peut résister à de telles promesses? Kazakov et tous ceux qui, en ce 1er mai 1924, participent à ce défilé Bon Enfant sur la Place Rouge n'y résistent pas. Il pose sa candidature pour le parti. Mais attention, n'est pas élu qui veut. L'accès au Parti communiste obéit déjà à des lois rigoureuses. D'abord, avoir été militant enthousiaste de l'organisation des jeunesses communistes. Ensuite, il vaut mieux être ouvrier. Une fois accompli ce parcours, restent alors les dernières formalités. Est-ce que personnellement vous avez prêté serment au parti? Ну, как, во-первых,
Нужно было написать заявление с просьбой о приеме в партию. По каким причинам я считаю необходимым этот акт совершить. Во-вторых, нужно обязательно было иметь трех рекомендателей с партийным стажем не менее трех, не то пяти лет, я сейчас уже точно не помню. И только при этих условиях, и если никаких компрометирующих о тебе фактов на партсобрании не сказано, вот тебя примут. Vous avez donc été admis, mais est-ce que vous avez prêté serment au cours de cette réunion? Клятву нет, не давал, но я говорил о том, что я знаком с программой партии, с уставом партии, и обязуюсь строго выполнять все требования к коммунисту. Regardez bien ce document d'époque. Il témoigne de la foi de ses premiers croyants. On arrête le travail afin de célébrer un baptême communiste dans l'atelier. Discours d'une sorte de grand prêtre prolétaire qui fixe le rituel. Le bébé doit passer de main en main et illustrer ainsi la vie future de l'enfant, de la mère au pionnier, du pionnier au jeune communiste, du jeune communiste au communiste, qui va le redonner à la mère. Vient ensuite le moment des cadeaux, puis le toast de bienvenue. Pour entrer au parti à l'époque. Да, это имело значение, большое значение. Вот я как рабочий вступая в партию, проходил полугодичный, шестимесячный срок кандидатский. А если из категории служащих, то кандидатский стаж был 2 года. Страшный мороз. За 30 градусов. Я сейчас не помню точно, сколько, какая температура минусовая, но за 30. Везде костры по дороге жгли для того, чтобы можно было обогреться. Многие уши пообморозили, носы пообморозили. Очень мороз сильный был. Vous êtes senti orphelin ce jour-là? Бесспорно. Самым настоящим, искренним образом плакали о потере Владимира Ильича.
Novembre 90. Seul Lénine échappe encore au jeu de massacre des idoles déclenché par la perestroïka. До свидания, мама. En ces jours anniversaires de la Révolution où l'adversaire voudrait bien enterrer Lénine une seconde fois, c'est ce sanctuaire Lénine, sa vie, son œuvre, que Kazakov et les siens s'apprêtent à défendre. Mais ceci n'est qu'une partie de l'histoire à la rencontre de laquelle se rend Kazakov. L'autre histoire qui compte et se mélange à la première au point de se confondre avec elle, c'est Amosil. Zil, sa vie, sa ville, son monde. Au cœur de la capitale, dans un méandre de la Moscova, à 3 km du Kremlin, une usine dans la ville. Zil, mot à mot usine automobile Likhatchov, du nom de celui qui fut une sorte de Renault à la mode soviétique, le père de l'industrie automobile du pays. 60 000 ouvriers fabriquent ici des camions, des limousines de luxe et des réfrigérateurs, du minerai brut au produit fini. Pendant très longtemps, Zil fut une sorte de symbole du prolétariat soviétique triomphant. Et c'est dans ces ateliers aujourd'hui vétustes mais toujours légendaires que Kazakov et les siens ont vécu ces 70 et quelques années de l'ère communiste. De Lénine à Gorbatchev, en passant par Staline, Khrouchtchev et Brejnev. C'est ici qu'ils ont voulu incarner le meilleur des mondes promis dans les livres. Aujourd'hui, le rimmel de la propagande ne suffit plus à masquer l'outrage du temps. L'usine est défaite comme le communisme même. À 84 ans, comment porter un regard lucide sur ce naufrage des illusions? S'il veut conserver un sens à sa vie, Nicolas Vassilievitch est condamné, en rêveur impénitent qu'il est resté à passer devant cette réalité sans la voir. Et si malgré tout la réalité devient trop insistante, Kazakov se replie sur le rêve et va chercher dans le musée de l'usine les traces d'un passé glorieux. L'histoire d'Amosil. Une histoire qui, pour lui, commence quelques mois après la mort de Lénine, pendant les célébrations du 7e anniversaire de la Révolution. Ce jour-là, Kazakov est présent, quand le cortège automobile d'Amosil débouche sur la place rouge, provoquant une surprise de taille dont tout le monde, aujourd'hui encore, se souvient. 27 ноября 24 года мы динамовцы шли пешком на демонстрацию, а некоторая часть амовцев ехали на первых 10 машинах, а моих 15, выкрашенных в красный цвет. Загорелся желанием делать такие машины. L'usine est née en 1916,
À l'époque, elle s'appelle AMO, Société Automobile de Moscou, créée pour assembler les voitures pour le front. Mais un an plus tard, en 1917, AMO devient le foyer des premières grèves, des premiers soviets, et pour finir, la première entreprise nationalisée par la Révolution. C'est de ces chaînes que sortira 7 ans plus tard le premier modèle AMO F-15. Et c'est ce symbole de la capacité du nouveau régime à relever le défi industriel des pays capitalistes que des milliers de jeunes communistes gonflés d'orgueil et d'utopie viendront voir défiler sur la place rouge. C'était un beau spectacle ? Очень. Я не смог не перейти на этот завод. Ivan Ivanovitch Karzov. Il était lui aussi sur la place rouge, mais pas en spectateur comme Kazakov. Il était, lui, au volant d'une voiture AMO. Pour la même occasion, mais 66 ans plus tard, Karzov est lui aussi sur le pont, chargé de convaincre les hésitants que le socialisme est toujours ce qu'il y a de meilleur. C'est en 1923, un an avant Kazakov, que Karzov entre à AMO comme apprenti. C'est alors l'époque où l'on repère les futurs cadres parmi les bons communistes. Et Karzov est un bon communiste, du moins dans ce qu'on en attend. Une foi inébranlable, une fidélité sans limite, et pour finir, une conception plutôt ordinaire du bonheur. Счастье в том, что у меня хорошая работа была, я был очень счастлив. У меня была хорошая семья, и она и сейчас эта семья есть. Так, у меня были хорошие дети, так, у меня был хороший директор завода, Лихачев Иван Алексеевич, хороший директор. Так. И он меня вырастил от слесаря мальчика до заместителя директора завода. Иван Алексеевич, во-первых, очень красивый мужчина, среднего роста, коренастый. Всегда он ходил в полувоенной форме, в сапогах, брюки галифе, гимнастерка и армейский пояс. С усиками, всегда аккуратно подстриженными. Вообще, он был внешне очень аккуратным. Pourquoi un tel culte envers Likhatchov? Pour les mêmes raisons, peut-être, qu'il existe un culte envers Staline à l'époque. Parce que Likhatchov est un bâtisseur qui permet au pays de réaliser enfin ses rêves de grandeur. Sous son impulsion, AMO devient ainsi une ruche. Là où il n'y avait que des marécages, il fait bâtir les premiers ateliers en dur. Et puis surtout, il va introduire les méthodes de travail à la chaîne, inspirées des usines Ford à Détroit. Mikhail Abramovitch Filzer. Il a fait partie des ouvriers qui ont conçu et travaillé sur cette chaîne numéro 1 à partir de 1927. Aujourd'hui, avant les célébrations du 7 novembre, c'est sur une chaîne plus moderne, la chaîne principale de Zil, que Filzer, communiste comme au premier jour, déambule pour mobiliser les troupes. Mais signe des temps, ce sont des étrangers, des travailleurs immigrés vietnamiens qui occupent maintenant la place. Ils accomplissent le travail sous-payé et sans relief que les Russes ne veulent plus faire.
Des parias de la société soviétique que la direction de l'usine nous a empêchés de filmer et a interdit à Filzer de rencontrer du moins en notre compagnie. Et pourtant, Filzer est un homme sûr. Entré dans l'usine en 1923, il a même été envoyé chez Ford, l'ennemi de classe, à Détroit en 1925, afin d'espionner les méthodes de travail à la chaîne pour les reproduire ici. Ouvrier modèle et communiste sans état d'âme, il avait comme Kazakov, comme Karzov, ses amis, le profil idéal pour réussir. Comme eux, il finira vice-directeur de ZIL. Aussi, quand Filzer s'apprête à tester ce camion construit par des immigrés surexploités, il ne tire pas les vraies leçons de l'échec. Comme ses amis, il préfère plutôt se souvenir de ses autres travailleurs étrangers, français, hongrois, italiens et même américains, 200 en tout, qui avaient choisi Hameau en 1927. C'était qui ces étrangers, des révolutionnaires? Нет, они были патриотами. Приехали помогать строить социализм в России. Ils sont donc venus par internationalisme prolétarien. Да, из чувства пролетарского интернационализма они приехали. Et à quoi rêviez-vous à l'époque? Est-ce que vous rêviez par exemple aux mêmes choses que? О чем мы, молодые рабочие, мечтали? Мы были тогда большие энтузиасты. Мы хотели как можно больше сделать, лучше сделать. Мы думали, что скоро будет мировая революция. Ждали мировую революцию. Настолько были наивные. À l'époque, construire, produire ne suffisent pas. L'homme nouveau, le monde nouveau, doit naître à Hameau du grand chambardement. Mais pour cela, il faut changer les têtes. Et même si ce travail des Lumières se fait dans la langue de Lénine, la propagande, il se fait. À Hameau, on apprend à lire, à écrire, à penser. Et c'est de ce creuset où chacun est censé avoir les mêmes chances que doivent sortir les futurs cadres de l'usine. Accès au savoir, au pouvoir, au progrès, il n'est pas de grande révolution sans utopie généreuse. À l'approche des années 30, on peut croire en Russie que l'exploitation de l'homme par l'homme est un vilain souvenir, que l'égalité est un objectif à portée de la main, et le bonheur, une denrée accessible au plus grand nombre. ZIL, 1990, le palais de la culture. Ces vétérans croient toujours que le bonheur dépend du parti. Certains un peu moins que les autres, sans doute parce qu'à l'époque, ils y ont cru beaucoup plus qu'eux. C'est le cas de Feinstein, qui a été jusqu'au bout de ses idées. Entré en 1922 comme apprenti, Yakov Feinstein est en 1927 secrétaire des jeunesses communistes de l'usine et va plus loin que ses amis dans l'exploration de la société idéale. Il fonde une commune, instaure l'égalité totale et expérimente le communisme. Nous собрались нас сперва 17 человек. Устав наш был. Он не был написан, но был очень простой. Все средства объединяются, обобщаются, все заработки. Да. И на эти средства мы живем. То есть, значит, едим, оплачиваем жилье и одеваемся. Кому нужно, покупается одежда. Такой, знаете, был... Ну, надо вам сказать, нас поддержали. Нас поддержал профсоюз и администрация. И нам даже в одном из строящихся домов
устроили этаж. Там было на площадке 3 квартиры. Эти квартиры объединили. Сделали общую такую большую квартиру. Вот мы получили ее и организовали эту коммуну. Первое время мы жили великолепно. Было очень весело и очень хорошо. Но у нас были разные люди. Был ученик Фабзауча, который вообще получал 12 рублей в месяц. И, извините за такое, вот это может быть нескромно, это был я, который хорошо зарабатывал уже тогда. Сколько? Я зарабатывал 75-80 рублей. А в то время костюм стоил 40 рублей, 35. А я зарабатывал уже прилично. То есть мне вполне хватало. Ну вот. И так шло довольно долго. Сколько? Год с лишним. Мы жили дружно, хорошо. Даже почти, да, года полтора так. А потом начались вот такие небольшие. Почему там Мишка-пороховник получает новые брюки, а мне тоже нужны, а я нет. А Мишка-пороховник – это как раз тот ученик Фабзауча. Да. Но и постепенно, значит, началось такое брожение небольшое. Брожение такое. Сердце в сердцу скажет слово весь народ велика. Пьем на шаре на родном западе. Всеобщем благополучии, всеобщем, знаете, таком уровне жизни высоком. И образование доступно всем, культура всем доступна. Знаете, мечты были очень такие широкие, я бы сказал. Но... L'aventure de la commune va durer 1 an et demi. Mais il faudra beaucoup plus de temps à Feinstein pour tirer les conclusions de l'expérience. Car pour l'heure, dans tout le pays, on vit dans de semblables aventures collectives le vertige d'un monde trop parfait. On ne vit plus pour soi-même, mais pour l'usine ou pour la cause, et la nouvelle aisance à laquelle on va forcément accéder n'a de sens que si elle profite à tous. Belle utopie qui aveuglera les ouvriers, mais aussi les intellectuels, comme ce savant Bach, et tous ceux qui, en cette fin des années 20, l'applaudissent à tout rompre. Я старый, очень старый человек. У меня накопился опыт и некоторые знания. Я очень долго жил в капиталистических странах. Я знаю, что там делается, знаю, как они там работают. Но я вижу и знаю, что делается у нас. И с полным сознанием ответственности за свои слова я скажу вот что. Я глубоко убежден, что если в ближайшие пятилетия не произойдет социальной революции в капиталистических странах, мы их обгоним. Vous pensiez à l'époque qu'il y avait d'un côté les communistes et par ailleurs les autres? D'un côté ceux qui savaient et de l'autre ceux qui ne savaient pas? Я имел тогда весьма смутное представление об информации
И самой информации, конечно, не имел. Я имел только то, что официально в газетах было. Это первое. И потом я был, знаете, ослеплен этой революционным порывом, который охватил весь народ. Ведь тогда преступлений почти не было. Почти не было преступлений. Vous oubliez quand même que à l'époque il y avait des camps déjà un peu partout dans le pays. Да, были, но это были для классовых врагов. Я считал всех обитателей этих лагерей классовыми врагами, только так. Et vous trouviez que pour les ennemis du peuple, les camps c'était un châtiment juste? Ну, он должен во всяком случае понести свое наказание за эксплуатацию народа. Я считал, да. Считал. Étrange moralité. Au moment même où des communistes se posent en conscience de l'humanité et expérimentent les chemins vers un monde meilleur, d'autres communistes, au nom des mêmes valeurs, du même credo, ont ouvert les camps. Depuis 1921, tous ceux qui s'opposent aux bolcheviks sont ratissés par le NKVD, la police politique, puis rassemblés près du pôle dans cet ancien bagne pour prisonniers du tsar. Les îles Solovki, et pour finir, sont réduits au silence par le travail forcé. Ceci est le premier coup de canif dans le rêve, le concentré à petite échelle de ce que Staline va réaliser sur une échelle démesurée et qu'on va appeler le goulag. Et у меня в жизни есть темная страница. В 1929 году Центральный комитет партии принял решение о направлении 25 тысяч рабочих в деревню для колхозного строительства, для строительства колхозов. Наш завод тогда еще был, назывался АМО. Наш завод, как один из крупных, он уже после реконструкции был довольно крупным, машины производили тогда, получил, значит, подшефный район в Сталинградской области. И этот район мы должны были обеспечить работниками, кадрами. Причем все местные кадры убирались. Была сформирована группа 41 человек, которые направлены были в этот район. Вот в числе этих 41 я был тоже. Но я не занимался непосредственно раскулачиванием или налогообложением, или изъятием каких-то, или арестами, или репрессиями. Я этим не занимался непосредственно. Я был редактором районной газеты. Но я в своей газете это одобрял. Что я писал? Я писал одобрение этому. C'est ce congrès qui est à l'origine du remords qui pèse aujourd'hui sur la conscience de Feinstein. Nous sommes en 1929. Feinstein l'ignore, mais c'est là que le rêve tourne au cauchemar. Staline gagne contre Trotsky la bataille pour la succession de Lénine et prend seul en main les destinées du parti. Pour lui, la fin justifie tous les moyens. Collectivisation des campagnes, étatisation de l'économie, telles seront donc les mesures votées sur sa demande par les délégués du Congrès. Thank you.
Au début, personne n'a vraiment saisi l'ampleur du tournant. Dans l'atmosphère enthousiaste de cette fin des années 20, on a retenu de ces décisions que l'utopie généreuse des kolkhozes, la terre partagée et cultivée pour le bonheur de tous. On oubliait seulement le prix exorbitant, la destruction des koulaks, les paysans privés. Avec une violence inouïe, des brigades de communistes envahissent les campagnes et détruisent tout ce qui ressemble de près ou de loin à une propriété individuelle. La possession d'une cabane ou d'un cheval est un délit sanctionné par une loi expéditive. La dissimulation d'une partie des récoltes au commissaire chargé de les confisquer devient un crime, passible des camps. Dans les camps, les koulaks retrouveront des militants du parti comme gardiens. Et si Kazakov et ses amis ne seront jamais de ces communistes transformés en capots pour les besoins de la cause, cela ne sera dû qu'aux circonstances, à rien d'autre. À l'époque, en effet, leur état d'esprit est le même que celui des cadres du parti, recrutés par le NKVD pour faire le sale travail. Ваш год рождения? 1898. Des cadres qui étaient néanmoins l'objet d'un interrogatoire serré, comme en témoigne ce document de propagande exceptionnel, daté approximativement du milieu des années 30. Рабочий. Рабочий, хорошо. Специальность ваша какая? Инженер-геодезист. Est-ce que vous saviez à l'époque, est-ce que vous étiez au courant du sort qui était réservé aux paysans, de la découlakisation? Vous знали, конечно. Мы считали, что это действительно необходимо. В том и беда наша. Что мы принимали это как необходимость и пользу для нашей революции. Вся беда в этом. Du bien pour la révolution, je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Вот именно. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Объяснить это следующим образом. Но тут я должен сказать, что в партии в то время, вот обосновывая необходимость уничтожения кулака как класса, говорилось о том, что ну, это из ленинских трудов, что крестьянин имеет две стороны. С одной стороны, он труженик. Значит, это его роднит с рабочим классом, а с другой стороны он собственник, следовательно, это его роднит с противоположным классом, капиталистическим. И, ну, вы, очевидно, знаете, что у Владимира Ильича говорится о том, что, значит, каждый час, каждый день, значит, рождаются новые капиталисты, вот на почве крупных крестьянских хозяйств. Что-то в этом духе. Et donc vous étiez pour la liquidation des koulaks en tant que classe, donc. Ну, в то время, да. Donc, к сожалению, в то время, да. Donc, liquidation physique aussi. Да. Mm-hmm. К сожалению, тоже да. Тоже да. Six millions de paysans, le premier contingent de masse du goulag, finiront ainsi dans les camps. Mais il y a autre chose d'aussi terrible qui se joue en ces années-là. On tue en chacun des paysans et pour longtemps le moindre réflexe du paysan qu'il a été. On tranche avec une violence inouïe le lien plusieurs fois séculaire entre le peuple russe et la terre.
Сейчас мы понимаем о том, что мы, собственно, крестьянина раскрестьянивали, а условия на предприятиях рабочего разрабатывали, к великому сожалению. Сейчас пожинаем плоды. S'attaquer aux paysans, c'est s'attaquer à l'Église. Le 15 mai 1932, le plan quinquennal baptisé anti-religieux est mis en route. Il ne doit plus rester sur tout le territoire un seul bâtiment de prière. Et la notion même de Dieu doit être chassée comme une survivance médiévale. Ces directives seront aussi appliquées chez Hameau, car sur l'emplacement même où dansent les vétérans, se trouvait à l'époque un monastère splendide, le monastère Simonov, occupé alors par les moines et fréquenté par les croyants. Так вот, сюда ведь главным образом ходили старушки, пожилые женщины. Из окрестных, из этой, из Ленинской слободы, и крестьянки из ближайших деревень, из Кожухова, из Нагатина, из Коломенского, из Садовников, и монахи говорили относительно того, что советская власть, власть ненародная. Нас это возмущало, и мы после того, как расходились верующие с монахами, ругались и говорили относительно того, что докажите нам, что Бог есть. И, между прочим, я когда приходил домой, папаша у меня был еще верующий в то время, и говорил, как тебе не стыдно богохульством заниматься. Люди туда ходят Богу молиться, а вы там безобразничаете. Правда, мы безобразничать тут себе не позволяли, но вопрос о том, есть Бог или нет, я, например, себе установил следующим образом. Я жил, вот детский парк сейчас со стенами монастыря рядом, ночью, в один из летних дней набрал камней и подошел к этой стене монастырской. У средней башни висела икона Божьей Матери с Иисусом на руках. И я начал бросать камни, разбил стекло. После этого бегом домой, под одеяло не раздеваясь, потому что если Бог есть, Он обязан был меня наказать за такое свинство. Но этого не последовало. Утром я проснулся уже твердо веря в то, что Бога нет. Так я себя убедил в том, что Бога не существует. Le monastère Simonov sera lui aussi détruit en 1930. Вы знаете что, когда у завода появилась потребность в таком культурном учреждении и подходящего места не было, наш коллектив обратился в правительство с просьбой, значит, разрушить здесь колокольню этого и на месте этого монастыря построить вот этот
Дворец культуры. Эта колокольня была разрушена. Вот многие из нас участвовали в очистке этого места, а потом работали на субботниках, когда строился Дворец культуры. Début des années 30, Kazakov voit disparaître l'univers de son enfance et ce meurtre de la mémoire se fait avec son consentement. Il ne doit plus y avoir de traces des splendeurs d'un régime condamné par l'histoire. À l'aube des années Staline, s'installe alors cette évidence terrible. Les destins individuels ne comptent pas. En guise d'illustration de ce principe, Kazakov part à l'armée sur ordre du parti en 1930. Il y passera 7 ans.